Jésus. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton âme qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions que j'affronte la nuit, les jours. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Que tout ce qu'on entend ici va, tu es plus grand que le mot du dictionnaire, tellement grand. Oh. Zama ukubwa wa Mungu pamoja na uimbaji wa mabudu tuko na nyanyua mioyo yetu mbele ya enzi yake. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Tout ce que l'on dit si
je me donne tout à toi. Asante Yesu. Asante njua ukubwa wako. Ukubwa wako na uwezo wako. Nous sommes en train de parler d'un thème, un sous-thème, dans la marche des 100 jours, avec le Seigneur. Nous sommes en train de parler de ce thème à cause de ta grandeur, de la grandeur plutôt de ta puissance. Ennemi se soumet. Na maadui yako inajitiisha chini yako. Wow. À cause de la grandeur de la puissance de l'Éternel. Kwa ajili ya ukubwa wa uwezo ya wa milele. Les ennemis doivent se soumettre. Maadui inapasha kujitiisha. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja? Vous savez, il y a quelque chose qui m'étonne à l'église et même chez les chrétiens. Na mnajua kwa kitu kile kinanishangaisha kanisa hata kwa Kristo. Semeza kimetona? Na yua nini inanishangaisha? Le Dieu qui nous réunit ici, il est tellement puissant comme on l'a chanté, il n'y a aucun mot, aucune définition de dictionnaire qu'on peut donner pour satisfaire sa puissance. Uyu Mungu alitukusanya mali hapa eko kabisa wa uwezo na hakuna hata msemo moya tamko hata moya ya mkamusi ile inaweza kusema hata ile na kuya bukubwa ya uwezo yake. Il est tellement puissant. Eko mwenye uwezo kabisa. Tellement puissant que personne ne peut imaginer cela. Na anakuwa uwezo na kuna mtu anaweza kufikilia ile uwezo yake. Ce n'est pas un problème d'homme. Aina mambo ya mtu. Ce n'est pas un problème de jeune. Aina mambo ya mafungo. Ce n'est pas un problème de taille. Aina mambo ya burefu. Mais c'est le problème d'adhérer à la puissance de Dieu. Ni mambo ya kuzuria kuwezo wa Mungu. Alors hier j'étais en train de parler de quelque chose comme les jours de la puissance. Na jana nilikuwa nasemezea kitu moja ile tunasema siku ya uwezo. La manifestation du jour de la puissance. Kuonekana kwa siku ya uwezo. J'étais en train de parler de quelque chose. Nilikuwa nasemezea kitu fulani. Un événement que l'église connaît, un événement que l'église adore. Na ile maneno kanisa najua na ile kanisa inapenda. L'événement de David et de Goliath. Ile maneno ya Daudi na Goliati. La Bible dit cet homme était super entraîné. Na huyu Biblia nasema huyu mtu alikuwa mfundi kabisa. Ça veut dire depuis son naissance. Maana yake tangia bujana bwake. On le préparait pour écraser, pour dominer. Balikuwa namtayarisha njia ya kuponda, njia ya kutawala. Pour soumettre. Njia ya kutiisha. À telle enseigne quand cette personne marchait. Na mwatua ile huyu mtu wakati alikuwa anatembea. Même la terre était en train de trembler. Hata udongo ilikuwa inatetemeka. La terre trembler.
tremblé au passage de Goliath. Na mukupita kwa Goliath. La Bible est en train de décrire. Biblia kuna sema, quand Goliath s'est levé seulement comme ça, wakati Goliath alikuwa tunashimama bwima, les gens disaient de loin, est-ce que vous avez vu? Na watu alikuwa nasema, mbali asema munamuona. Seulement faisait peur. Na urefu wake ilikuwa naongopesha. C'est-à-dire on ne pouvait pas le regarder. Maana yake hatukuweza kumtazama. C'était comme une bête de la destruction. Ilikuwa kama vile huyu nyama wa haribifu. C'est pourquoi dans la vie quand tu as les attaques ou le combat du genre de Goliath. Na ndio kwa maana maisha kama unakuwa na ile mashambulio mavita ya urefu ya Goliath. Ce sont des types de combat quand tu arrives comme ça, tu es déchiré dans ton amour. Na ni ile matu ya vita wakati inafika hivi wewe unakuwa mwenye kupasuliwa tu ndani yako. Tous les chrétiens connaissent que leur Dieu est puissant. Wakristo wote wanajua kwamba Mungu wao ni wa uwezo. Tout le monde connaît que notre Dieu il est puissant. Watu wote wanajua kwamba Mungu wetu ni mwenye uwezo kabisa. Nous acceptons que Jésus il a le nom au-dessus de tous les noms. Sisi wote tunakubali kusema jina la Yesu ni nakuya jina yule ya majina lote. Alléluia. Amina. Tout le monde le sait. Watu wote wanajua. Mais tout le monde ne possède pas ça. Na watu wote washike ile. Tout le monde n'adhère pas ça. Na watu wote wazurie kuile. Tu t'imagines? Unafikiria? Tu as quelqu'un qui est paralysé. Uko na mtu mmoja ni mwenye kupoza. Tu as quelqu'un qui est paralysé. Kuna mtu mmoja ni mwenye kupoza. Mais tu le laisses à la maison. Lakini unamwacha kunyumba. Tu le laisses à la maison. Unamwacha kunyumba. Mais tu viens à l'église. Unakuwa kukanisa. Tu sais ce que cela veut dire? Unajua ile ni kusema nini? Tu ne crois pas que Dieu peut le guérir. Auamini kusema Mungu anaweza kumponya. Moi je croyais qu'aujourd'hui ici, je devais trouver des cas comme des gens qui sont sous les brancards. Pourquoi j'étais en train de m'imaginer une scène comme ça. Qu'il y a des gens qui ont la foi. Aujourd'hui, on devait me surprendre. Alléluia. Amen. En tout cas, je croyais à une dimension comme ça. Nilikuwa nadhania kuile hatua ya vile. Mais lakini kwa ole. Vous savez pourquoi vous ne le faites pas? Munajua juu nini ya muyafai. Parce que vous croyez en des hommes. Kwani munaaminia mu watu. Vous ne croyez pas en Dieu. Amuaminie Mungu. Alléluia. Amina. Vous savez, j'ai toujours dit à l'église même la dîme. Nasemaka hata kanisa hata chekumi. Peut commencer à produire les miracles quand tu l'amènes à Dieu. Na inaweza kufanya muujiza wakati unaipeleka kwa Mungu. Amen. Amina. Mais quand tu l'amènes à un homme. Lakini kama unayaleta mbele ya mtu. Tu l'amènes à papa. Unayaleta kwa baba. Ça ne fera rien. Haitafanya kitu. C'est là où vous pouvez voir par exemple papa se plaint dit ah ce jour ici on a besoin de ceci. Mais quelqu'un dit ah mais je lui ai donné la dîme de $500 hier. Mais il est en train de demander $100. Na naweza kuona baba yuko nasema hii masiku tunahitaji kifulani kifulani lakini mtu ule alileta chakumi yake anasema jana niliweza kumpatia chakumi yangu ya dola 15 500 leo anakuwa naomba hata dola 100. Des séances comme ça devait être des séances d'impactation et d'impartition de la puissance. Na ima mkusaniko ya hivi ilipasha kuwa mkusaniko ya kutambukizia na matambukizio yenyewe. Alléluia. Amina. Ça devait être des jours où nous sommes en train de témoigner. Na pasha kuwa masiku ile tuko na shuhudia. Et les témoignages que je vous donne ce sont des témoignages vrais et vécus. Na ile maushuta ni mipachia ni maushuta ya kweli na ile tunaishi. Je ne donne pas les témoignages que j'ai écouté, que j'ai lu dans un livre. Si lete maushuta ile nilisikia nilisoma mu kitabu fulani. Un jour le matin, siku moja asubuhi, on m'appelle. Wananiita. J'ai vu un appel, on m'appelle, on m'appelle, je devais montrer la chair. Naona mwito mwito moya ku simu nilipasha kupata kumimbali. On m'appelle, on me dit ma grande sœur. Bananita kunyambia dada yangu. La troisième avant moi. Mwenye kuya mbele yangu kuna kuya watu wawili. On me dit elle voulait aller à l'église. Banasema alipasha kwenda kanisa. Elle est tombée. Akanguka. Elle est décédée. Na anafariki. Imaginez-vous.
Je suis en train de monter à la chair. Na mufikirie nilikuwa na tafuta kupanda kumimbali. Et puis on me dit, tonton, on fait comment? Na banani swali, muyomba tutafanya namna gani? Je leur ai dit, nikawaambia, mettez-la sur son lit. Nasema mumutie pa kitanda yake. Je suis en train de venir. Niko nakuja. Je commence à prêcher. Kaanza kuhubiri. Je prêchais. Nahubiri. Je prêchais. Nahubiri. Je prêchais. Nahubiri. À 12 ans, j'ai terminé. Na Musa ya 12 ans nikamaliza. Je suis arrivé là-bas chez elle. Nikaenda kule kwake. J'ai trouvé toute ma famille était là. Nikakuta jamaa yote mzima pale. En ce moment-là, ma mère n'était pas encore décédée. Na mwile wakati mama bado alikuwa ashafariki. Ma mère était là. Mama alikuwa pale. Mon frère aîné était là. Mkubwa wa kwanza alikuwa pale. Toutes mes grandes sœurs étaient là. Na wadada yangu wote walikuwa pale. Quand j'arrive, wakati nafika, c'est la maman qui me dit. Ni mama ananiambia. Il faut que tu le dises. Inabidi utoneshe. Les sorciers qui font ça. Walozi wale wanafanya hivi. Chose comme ça, ça ne peut pas continuer dans la famille. Il faut que tu nous dises, il faut que tu pries ton Dieu que tu voies quel est le sorcier qui fait ça. Alors, une autre grande soeur me dit, on prend juste le bus, on l'amène à la morgue. Muyomba, tunaweza kuchukua gari, tunampeleka ku chumba ya bafu. Je dis, on va d'abord voir. Nasema mba, mchunge kwanza, tutaona. Moi, quand j'arrive là-bas, na mimi wakati nafika pale, je la vois en train de respirer. Namuona yuko napumzika. Mais eux la voient décédée. Na wao wanamuona mwenye kufariki. Alléluia. Amina. Eux la voient. Wow. Mais moi je la vois, elle respire. Mais je dis à mon frère, mais elle respire. Nasema na mkubwa yangu, anakuwa anapumzika. Et me dit, mais unakuwa na majimu? Eh, il me répond, wewe unakuwa tuefu. Ni michezo gani? Ça c'est quel jeu? Nasema elle respire. Nasema anakuwa anapumua. Alléluia. Amina. Je suis allé là où il y avait ma sœur. Nikaenda kule kulikuwa dada yangu. J'ai touché la tête. Nikagusa kichwa. Elle était froide. Quand je voulais prendre la main, wakati nipenda kuchukua mikono, la main est tombée. Mkono haikuwa na nguvu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Nisijue nini ilifanyika. Je n'ai pas prié, mais j'ai crié son nom. Na sikuombe lakini nikalalamika jina lake. Quand j'ai crié son nom, wakati nalalamika jina lake, elle répond. Akajibu. Amen. Elle répond. Akajibu. Oui, je vous dis la vérité, elle répond. Namiambia kweli akajibu. Il me dit, Oscar, tu es là. Asema, Oscar, uko hapa. Et puis me parle en langue, il me dit merci beaucoup. Ah, nasema muluga, nasema sante. Alléluia. Amina. Elle était faible. Alikuwa mnyonge. On a prié. Tukaomba. On a prié. Tukaomba. Et puis j'ai dit, on l'amène à l'hôpital. Nasema mpeleke kwa hospitali. Parce qu'elle respirait. Njoo alikuwa anapumzika. Mais ne bougeait pas. Lakini hakuwa anatingizika. Déjà là-bas, il y a eu des trucs de sorciers. Na pale palikuwa mambo ya walozi. Oh, c'est elle qui a fait. Oh, ni fulani alifanya. Oh, c'est elle qui a fait. Ni fulani alifanya. Oh, c'est elle qui a fait. La famille commence à se déchirer. Na jamaa ikaanza kujigawanya. On a commencé à prier, on l'a amené à l'hôpital. Tukaomba, tukampeleka kwa hospitali. Les médecins ont fait leur part. Na wanganga wakafanya sehemu yao. On a continué à prier. Tukaendelea kuomba. Elle est restée dans ce cas pendant longtemps. Na akabakia mwile sehemu wakati mrefu. J'ai organisé un séminaire. Nikatengeneza seminari moya. Chez nous, j'ai demandé qu'on l'amène. Na nikaomba wakamuleta. On a prié pour elle. Tukamwombelea. Elle ne marchait pas. Asikuwa anatembea. Elle a commencé à marcher lourdement. Akaanza kutembea na magumu. Mais le Seigneur demandait à ce qu'elle puisse se repentir, mais elle ne voulait pas. Na Bwana alikuwa anaomba kusema atubu lakini yeye hakuwa anapenda. Elle était en train de cacher des choses. Alikuwa anafuchika vitu fulani. Elle a souffert pendant je crois 6 ans. Akateseka kadiri ya miaka 6. Ce n'est que dernièrement qu'elle a ouvert son cœur. Ni masiku tu ya mkongo kule aliweza kufungula moyo wake. Alléluia. Amina. Pourquoi? Parce qu'elle avait honte que j'étais son petit frère. Na juu ya nini njoo alikuwa na haya kusema mimi ni kumdogo yake. Elle me voyait petit frère. Alikuwa ananiona mdogo. Mais ne voyait pas la grâce. Lakini asikuwa anaona neema. Alléluia. Amina. Quand on parle de la puissance, wakati tunasemezea uwezo, la puissance doit être dégagée sur des cas, sur des gens. Na uwezo ile napasa kujionesha kupitia
ata watu na magumu fulani sur des événements ata majira fulani. Hallelujah. Amina. Et l'église a besoin de la puissance na kanisa inahitajia uwezo. Je suis en train de penser à quelque chose, je crois que je vais commencer le message par cela. Na nilikuwa nafikiria kitu fulani na zania ni pale nitaanzia mjumbe yangu ya leo. Est-ce qu'on peut lire cette parole? Na eti tunaweza kusoma hii neno. Je crois qu'on va commencer par ça, ce qui est monté dans mon cœur. Nazania ni pale tutaweza kwanza ni ile ilipanda moyoni mwangu. Parce qu'il y a des choses que j'ai préparées, mais je sens que ce n'est pas ça. Na nilikuwa na vitu nilesha tayarisha lakini nasikia kwamba haina vile. Acts chapitre 1 le verset 8. Matendo ya mitume sura ya kwanza na mstari wa 8. Est-ce qu'on peut lire la parole? Et si tunaweza soma neno. Acte des apôtres. Matendo ya mitume. Le verset 8. Mstari wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 8 Biblia inasema hivi. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire aussi Exode chapitre 4, le premier au quatrième verset? Kutoka sura ine. Musari wa kwanza paka wa ine. Exode 4. Du premier au quatrième verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Amen. On peut nous lire l'Exode chapitre 3. Zakutusomea kutoka sura 3. On peut lire à partir du verset 19. Tunaweza kusoma kistari ya 19 jusqu'au verset 21. Exode 3, 19 à 21, nous lisons au nom de Jésus. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Amen. Parole du Seigneur. Neno la boire. Amen. Amina. Alors, j'étais en train de parler une confrontation très mystique. Nilikuwa nasema na ata mapingano ya kiroho kabisa. Entre l'expérience katikati ya ufundi et la foi na imani. Amen. Amina. La Bible dit Dieu confond. Biblia inasema Mungu anafuruka. Les sages de ce monde wenye hekima wa hii dunia à la folie na hata wenda mazimu. Hallelujah. Amina. Imaginez-vous ces jours-là. Na mufikirie ile siku. Ils sont au front. Barikuya kule kushamba ya vita. Goliath attendait quelqu'un de fort. Goliath alikuwa anachunga mtu wa nguvu kama yeye. Quelqu'un d'égal à lui. Mtu mwenye kufanana naye. Quelqu'un qui devait avoir l'équilibre de force. Na mtu alikuwa na ustare wa nguvu. Mais imaginez-vous quelqu'un infaiblard. Lakini mufikirie munyonge fulani. Ce faiblard est apparu. Na ule munyonga katokele. Il avait comme l'impression que c'était un chien qu'on lui a envoyé. Na alikuwa anaona kama vile hata ni kaimbo kale waliweza kumtumia. On avait comme l'impression qu'on lui a envoyé quelque chose de vil. Na alikuwa anaona kama vile banamtumia kitu ka ovyo. Il dit, qui suis-je? Anasema mimi ni nani? Pour que vous puissiez me libérer un chien. Ili mupate kunitumia imbwa.
Alléluia. Amina. Banakute swasana. On t'a fait souffrir tellement. Na boulangerie. Par la sorcellerie. Abakonemo. On trouve pas de la considération de la valeur. Mais nous on a coulé. Mais je te dis. Léo. Aujourd'hui. Oui, mais qu'on a méprisé. Toi qu'on méprise. Les paroles que tu vas dire. Et toi, jamais jusqu'à leur mort. Je dis pour toi, le salut va arriver. La semaine prochaine, oui, oui, j'aimerais parler peut-être le rôle, je ne sais pas, le rôle, le but de la puissance. La peine que vous vous aimez à J'étais en train de dire, partant de la parole de Dieu, partant des psaumes, la Bible dit, à cause de la grandeur de ta puissance, tes ennemis sont soumis à la soumission. La Bible dit, tes ennemis se soumettent. Tes ennemis te flattent. La Bible dit, s'il y a des complots, cela ne vient pas de l'Éternel. Se liguera contre toi sera sous ta domination. Est-ce que chaque jour quand tu marches tu imagines que tu as l'autorité? En rentrant d'abord dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible est en train de dire quelque chose de très important. Il dit pour tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné l'autorité, le pouvoir, la puissance pour devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir que nous recevons du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir. Chapitre 1, verset 8. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Et cette puissance survenant sur vous, en ce moment-là, vous allez témoigner le Seigneur. Alors j'étais en train de dire, Dieu nous a donné l'autorité. La Bible dit, voici le pouvoir pour les signes qui vont accompagner ceux-là qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Alléluia. Amina. La Bible dit, je vous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance que nous recevons, c'est la puissance au-dessus de la puissance. Oh, je voyais quelqu'un aller dire amen. La Bible dit, au-dessus de toute puissance qui se donne. On peut dire la puissance que nous avons, l'autorité que nous avons, c'est l'autorité des autorités, le pouvoir au-dessus de pouvoir, la puissance au-dessus de puissance. Ce n'est pas une puissance comme vous êtes en train de le mépriser. C'est une puissance extraordinaire. Les jours que l'Église doit intérioriser cela, les jours que l'Église va avaler cela, oui, je vous dis la vérité, des signes vont se passer dans nos maisons. Les signes vont se passer dans nos maisons. Et notre témoignage sera véritable. La Bible est en train de déclarer. Jésus est en train de prêcher dans une maison. Quatre messieurs prennent un homme sur un brancard. Ils arrivent là-bas. Ils trouvent que la maison est inaccessible. Ils se disent, nous devons l'amener au pied de Jésus. Ils montent sur la toiture. Ils ouvrent la toiture. Ils font descendre l'homme.
et la personne a reçu la guérison. Alléluia. Amina. Vous savez que la puissance commence par la décision de l'engagement. Inaanza ka kupitia ile mpango tunabeba ya kujipanga. Alléluia. Amina. J'ouvre juste une parenthèse. Nafungula kwanza mkato. Est-ce que vous savez eti mnajua que vous êtes capable ya kwamba mnakuwa na uwezo en quittant l'église ici ya kutoka pa kanisa hapa tu arrives ici aux arrêts unafika pa mare. Je parle des gens qui vont loin. Nasemezea watu wanaenda mbali. Tu te dis seulement unasema tu j'aimerais quand j'arrive seulement là aux arrêts napenda wakati nafika tu mare que je trouve un véhicule nipate gari. Et tu vas arriver là-bas. Na utafika pale. De nulle part, le véhicule arrive seulement là où tu es. Na autaona sema inatokea wapi? Gari inafika paka pale uiko. Et puis tu montes. Na unapanda. Est-ce que vous croyez que vous pouvez le faire? Unaamini ya kwamba unaweza yafanya. Vous avez la puissance. Unayo uwezo. Alléluia. Amina. Vous savez, on est en train tellement de mystifier la parole de Dieu. Na tunakuya tunai fanya neno la Mungu inakuya ya mastajabu sana. Il y a des gens qui changent même le visage. Na kuku watu wanabadilisha tabuso. Pour faire croire les gens. Non, d'abord la première dimension c'est croire. Na atua ya kwanza ni kuaminia. J'étais à la morgue avant de venir ici. Nilikuwa kuchumba ya wafu kabla nifike hapa. J'étais avec les serviteurs, on avait un deuil à l'église. Nilikuwa na watumishi tulikuwa na kilio kanisa. Et puis on a assisté à la Kenya. Na nikule kuya ku Kenya. Et puis j'ai dit bon on va partir. Nasema tutaenda sasa. On m'a dit papa on prend les transports ici. Nasema baba tutachukua hii gari ya transport. Je leur ai dit on va marcher 200 mètres. Nasema tutatembea kwanza meta 200. Nous allons trouver un véhicule. Tutapata gari. Et ce véhicule là personne n'y montera. Na ile gari hakuna mtu mwingine atapanda. Parce que on était à trois. Kwani tulikuwa watatu. Nous serons nous-mêmes. Tutakuwa peke yetu. Mais dit papa on va prendre booking ou pas prendre comment je dis on ne prendra pas booking et ce véhicule ne trouvera pas de personne. Ah asema baba tutachukua booking au itakuwa namna gani mimi nasema pana hatutapanda booking hapa tutakuwa paka watatu na gari haitapata mtu mwingine wa nne. Ils n'ont pas cru. Hawakuamini. Nous avons quitté le centre. Tunatoka pale pa hospital. On a fait 200 mètres. Tunafanya mameta 200. Après je leur ai dit on s'arrête ici. Nasema tunaweza kusimamia hapa. Quand on s'est arrêté. Na wakati tulisimama. 2 minutes c'était beaucoup. Un taxi est venu. Dakika mbili ilikuwa mingi. Gari moja ikafika pale. Dit vous allez en ville? Nasema naenda town. Oui nous allons en ville. Nasema ndio tunaenda town. On est monté dans ce véhicule. Nasema tulipanda mwile gari. Il a contourné dans tout Kamalondo croyant qu'il va prendre quelqu'un. Na anazunguka Kamalondo mzima zani asema tuongoza mtu mwingine. Il n'a trouvé personne. Akupate mtu. Nous sommes arrivés en ville. Tunafika mu town. Et puis je leur ai dit, na, nikawambia, on va quitter si on va à tel endroit. Na, tutatoka, tutafika mali fulani. On va prendre le véhicule dans la même condition. Na, tutachukua gari paka mwali moja moja. Déjà la soeur qui était avec nous dit, ah. Na, dadi ole tulikuwa naye anasema, ah. Il dit aujourd'hui papa c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Baba leo ni mambo gani kunafanika? On est allé à l'endroit je leur ai dit. Nikafika mali ile nikawambia. Un taxi est arrivé. Na ata gari moja kafika pale. Il dit vous allez où? Asema mnaenda wapi? Nous lui avons dit que nous allons à Météo. Et dit non, moi je vais à Malela. Nous lui avons répondu que nous allons à Météo. Il dit bon, monter. On est monté à trois. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à Météo. Il n'a plus personne. Amen. Amen. Tu peux refuser de te confiner dans le véhicule. Hein? C'est bien sûr une perte pour celui-là. Mais il y a des moments lui aussi il gagne beaucoup, non? Qu'est-ce qui va prouver que tu as la puissance si tu ne sais même pas guérir le mot de tête? Est-ce que vous croyez que la guérison miracle existe? Eti mnaamini kwamba matunzo ya miujiza iko wako. Qui croit que le miracle existe? Nani anaamini kwamba miujiza iko wako? Par exemple la guérison. Kama vile matunzo. Qui croit? Nani anaamini? Toute l'église. Kanisa mzima. Donc personne n'a laissé chez lui une personne malade. Hakuna mtu aliacha kunyumba mgonjwa moya.
Quel est ce quelqu'un malade? Mais vous croyez que la guérison existe? Mais pourquoi vous ne l'avez pas amené? Miracle dans la Bible. Miracle, c'est pour la Bible. Hein? Alléluia. Ah. On est en train de parler de la puissance. Comment on saura que notre Dieu a la puissance? On a prié pour les gens qui avaient les pieds qui faisaient mal. Il y en a qui sont là aujourd'hui. Qui a connu la guérison? Maman, vous avez connu la guérison? Mama, vraie guérison bien pour plaire aux gens. Nanya maman aussi. C'est parti. Oh my God. Oh, quelqu'un d'autre? Ils étaient à quatre. Ils étaient à quatre. Quelqu'un d'autre? Nani mwingine naye walimuombea mambo ya mikulu anatunziwa yuko wapi? Qui encore? Nani tena? Il y avait un frère. Est-ce qu'il est là? Kulikuwa ndugu moya. Toi, il n'y a pas de changement. Hein? Il a dit quoi? C'est parti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Skien. Si on était dans des églises de gens de fanfaron, na kama tulikuwa makanisa ya wao watu wa chambazi, on devait commencer là avec les caméras là-bas pour chercher qui a été guéri. Tulipasha kwenda na hata na makamera juu kutafuta nani alitunziwa. On est en train de chercher à justifier Dieu. Na tukuna tafuta kumusemea Mungu. Amen. Amina. Je sens que Dieu veut faire quelque chose. Nasikia kwamba Mungu anapenda kufanya neno fulani. Je vous ai dit, Dieu m'a montré quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai dit, Dieu fait de cette église non pas église de Texaco, mais église de la ville de Lubumbashi. C'est ce que Dieu était en train de me montrer. Si je mens du haut de la chair que Dieu me tue. Je vous ai dit, j'ai vu des bus comme des roses, des grands bus qui cherchent des gens de loin. Les gens dont l'église n'a rien dépassé. Les gens ont donné des bus pour que ça commence à faciliter les transports aux gens. Na nikaona hii magari kama vile maroza ilikuwa nenda kuchukua watu mali atanachana na kanisa ikuye na tosha pesa lakini watu walikuwa na tosha ile juu ya kusema isaidie tu. Mais pourquoi? Mais à cause de la grandeur de la puissance de Dieu. Juu ya nini? Kwa ajili ya ukubwa wa uwezo wa Mungu. Papa ne va plus commencer à fournir l'effort pour commencer à toucher les gens parce que les gens seront tellement nombreux, il ne peut pas descendre. Il va commencer à libérer l'onction. Les gens vont commencer à quitter leurs chaises roulantes, les paralysés vont commencer à marcher. Na baba stanza kushuka kugusa watu, juu watu watakuwa wengi kabisa. Ataanza tu kuachilia uwezo na ile uwezo itaanza kugusa wenye kupoza hata wagonjwa wote wataanza kutunziwa. Ine sera pas les serviteurs soyez prêts. Na watumishi mkuu tayari astaweza. Travailler avec lui. Na mkuu tayari kutumika naye. Oui, je disais quelque chose était en train de monter, quelque chose d'extraordinaire. Nilikuwa nasema kitu ya mastajabu ilikuwa napanda. Moïse est en train de dialoguer avec Dieu. Musa alikuwa anazungumza na Mungu. Dieu est en train de lui donner une mission comme il le donne à l'église aujourd'hui. Il dit, voici, ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront, ils n'écouteront point ma voix. Ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, na y a-t-il quelque chose dans tes mains? Na kitu mikononi mwako. Il répondit, une verge. Anasema bakora. L'Éternel dit, wamilela kasema, jette-la par terre. Yatupe pa il la jeta. Akayatupa. Et c'est devenu un serpent. Na bakora kageuka. Moïse fuyait au devant de lui. Musa kaanza kukimbia mbele ya L'Éternel dit à Moïse, na wamilela kasema na Musa, et ta main, na nyosha mkono, et saisis-le, na uyashike, par la queue. Kwa mkila. Et quand il a fait, na wakati aliyafanya, c'est devenu, ikageuka, encore une verge. Bien aimé dans le Seigneur. Au-delà de ce qui est physique, tout ce qui existe, derrière tout ce que nous sommes en train de faire, il y a un esprit. Le Seigneur lui-même est
en train de faire une déclaration forte. Je crois dans Jean chapitre 6, je crois vers le verset, je crois 53, quelque chose dans les 50, il est en train de dire, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nazani ya Yohana sura 6 na mustari nazani ya 53. Bwana konasema hata hii misemo naniambia inakuya roho na uzima. Derrière chaque événement, nyuma ya maneno yote, il y a un esprit. Kuna kwa roho fulani. Derrière cette église, nyuma ya kanisa, il y a un esprit. Kuna kwa roho. Derrière chaque commerce, na nyuma ya biashara yote, chaque affaire, biashara yote, chaque étude, majifunzo yote, chaque projet, hata matayarisho yote, au-delà de tout ce qui existe, na yulu ya ile yote tunaweza kuona, il y a un esprit. Kuna kwa roho. Parce qu'avant toutes choses, mbele ya vitu vyote, il y a une imagination. Kunakuwa kufikiria. Avant toutes choses, kabla ya maneno yote, il y a un rêve. Kunakuwa ndoto. C'est pourquoi la Bible dit, njo kwa maana Biblia inasema, même la terre, hata udongo, est soutenue par la puissance de Dieu. Inashikamishwa na uwezo wa Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Au commencement, mwanzo, la terre était vide, udongo ilikuwa utupu, et informe, na bila mufano, et seul l'esprit de Dieu, na peke yake roho ya Mungu, se mouvait, ilikuwa natembea, au-dessus des eaux, yulu ya maji. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Eti mnaelewa ile? Est-ce que vous comprenez cette dimension? Mnaelewa ile hatua? Prenons un enfant qui est dans la salle. On ne connaît pas qui sera médecin, qui sera ingénieur, qui sera président de la République. Alléluia. Amina. Mais d'emblée, il devient un homme puissant en science, un homme puissant en politique, un homme puissant en ceci. Na kwanza anakuya mtu wa uwezo muelimu, mtu wa uwezo msiasa, mtu wa uwezo mbufilani. Peut-être un homme qu'on était en train de mépriser. Sazingina ta mtu ule tulikuwa na beula. Mais cependant derrière lui, na muile wakati nyuma yake, il y a un leader. Kuna kuya bule buongozi. Nyuma ya kitu kyote, hata vyashara, makazi unafanya, kuna kuya roho. Ndugu dada, awezi kusimama tu hivi juri chukua ulipata pesa mingi. Kama wanaweza kusaidia na kibuyu kingine, naweza kupita. Amen. Amina. Tu ne peux pas te réveiller seulement comme ça le matin. Tu te dis, je vais acheter les bus. Je vais les mettre dans la route. Amen. Amina. Tu ne peux pas te lever seulement comme ça, je vais acheter les véhicules, je vais mettre les taxis. Quelle est la révélation que tu as? Quel est l'esprit qui t'anime? Alléluia. Amina. Tu ne sauras pas évoluer parce que ton esprit n'est pas en charge, n'est pas en phase avec ce que tu veux faire. Kwani roho yako ayambatane na bile unapenda kufanya. Est-ce qu'on est ensemble? Et tu te pamoja. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Moi j'ai vu des gens. Niliona watu mimi. Il achetait des camions. Anauza hii magari mnene. Des camions wowo. Hii magari wowo. Watu wote wanawinaka. Tout le monde s'en sort. Mais lui, lakini yeye, il arrive, il n'a que des problèmes. Inafika, inakuwa paka na magumu. Vous voyez l'incendie qu'il y avait à la Kenya là. Munaona ile moto ilifanyika ku Kenya kule. L'incendie qu'il y avait à la Kenya là-bas, il y avait plusieurs oho qui ont brûlé, n'est-ce pas? Na kule kulikuwa maoho mingi iliweza kulungula. Le véhicule par lequel le feu a commencé. Na ile gari kupitia kule moto ilianza. Faut qu'on change. Pas de problème. Merci. Amen. Amen. On a dit que c'était un véhicule neuf qu'on achetait 00. Na banasema ilikuwa gari mupya ile bado yatembea.
Le propriétaire, il a fait seulement un tour. Le véhicule est allé et rentré. Na mwenye gari akazunguka nayo tu ikaenda ikaluria. Et on voulait arranger quelque chose dessus. Na balipenda kutengeneza kitu fulani. Non seulement le véhicule a brûlé. Apana tu gari kalungula. Ça fait brûler plusieurs véhicules. Na inalungusha tena magari ingine. Et il a eu des problèmes. Na akapata mambo. On est en train de raconter que le chauffeur c'était lui-même le gérant. Na banasema ule alikuwa anaongoza gari ni yeye mwenyewe. Et il a fui. Vous savez pourquoi? Parce que lui croyait seulement que je vais acheter mon véhicule, je vais mettre, je ne sais pas, sur la route Bukama, j'aurai l'argent. Mais il ne connaît pas que derrière cette route, il y a autre chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amina. Tu ne peux pas te réveiller comme ça, tu te dis que moi je serai comme pasteur Atoms, je vais gagner ma vie dans la musique. Na awezi kulamuka paka hivi sema mita kwa kama mchungaji Atoms na nta uweza maisha yangu kupitia uimbaji. Est-ce qu'on est ensemble? Et tu ne peux pas te réveiller comme ça. Awezi kulamuka tu hivi. Dans chaque étape, il faut une puissance. Na mwatoa yote inabidi uwezo. Dans tout ce que tu fais, tu as besoin de l'onction qui t'accompagne par rapport à ça. Na mwote unafanya, unahitaji upako ile itakushindikiza kulinganisha na ile unafanya. Commençons par le ministère. Na toze muhuduma. Les apôtres sont là. Na watume yuko pale. Jésus les appelle. Yesu anawaita. Il leur dit, akawaambia, vous resterez sur place mutabakia mali hapa jusqu'à ce que vous puissiez recevoir la puissance. Paka na pale mutapokea uwezo. C'est en ce moment là que vous allez commencer le mouvement. Ni wakati ile mutaanza kutembea. Frère, unaanza tu paka hivi ce nom na tokea maçon. Et toi tu commences seulement comme ça, tu deviens maçon. Utangusha nyumba ya mbeya na kupeleka mkasa. Et tu vas faire couler la maison d'autrui et tu iras à la prison. Moi j'ai un fils. Moi mie niko na mtoko, mtoto. Eko kugereza kasapa. Un fils spirituel. Mwanangu wa mukiro. Anaanza na tu prophétie na ton moka. Il a commencé seulement à prophétiser. Oh, je prophétise plus que daddy. Mie nakuwa na matabiri ya kushinda baba. Anaanza kwenda. Il partait. Na bantu kumulima. Avec les gens à la montagne. Ça fait deux ans il est en prison. Na kuna kuya miaka mbili eko mugereza. Arenda na mama mwa mashuka majimu na manja kuma shamu kuma à la montagne. Elle était partie avec une maman et la folie l'a frappée à partir de la montagne. Et le problème est devenu compliqué. On l'a arrêté, on l'a amené en prison. Ce n'est pas parce que tu as une vision automatiquement que tu dois commencer une église. Alléluia. Amina. Alors j'étais en train de parler de la vie. Moïse. Moussa, il a une mission. Anakuwa na kazi. Mais il réalise la grandeur. Lakini anaangalia ukubwa. Il dit je suis là, je suis un homme. Anasema ndio niko mtu. D'abord avant. Na mbele. J'ai tenté de défendre ce peuple. Niliweza kupima kutetea watu. Ils m'ont pas cru. Hawakuniaminie. Parce que ce n'est pas mandat. Quand je vais encore rentrer là-bas, mais ces gens-là ne me croiront pas. Ils ne vont pas m'écouter. Alléluia. Amen. 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 Dieu fait une démonstration de la puissance. J'étais en train de dire le sous-thème que j'étais en train de dire aujourd'hui, quel est le but de la puissance que nous recevons? C'est pour prouver à la face du monde que Dieu existe réellement. C'est pourquoi la Bible dit, il dit, voici les signes qui vont accompagner tous ceux qui ont cru. Tazameni maalama itashindikiza wale wote watamini. Ils guériront les malades. Wataponya wagonjwa. Ça veut dire toute l'église. Maana yake kanisa mzima. Même si tu n'as pas les dons, hata kama una zawadi, mais déjà en croyant au Seigneur, na pale pale mkuaminia Bwana, tu as mandat de guérir les malades. Unakuwa na mamlaka ya kuponya wagonjwa. Ah, je crois que les gens allaient dire amen. Nilizania watu watasema amina. Ça vous ne croyez pas. Iya muaminie. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Parce que tu as cru seulement. Quand nous l'aimons tout. Alors Moïse. Na Moussa. Il dit c'est bien que tu m'envoies. Anasema ni mzuri unanituma. Mais qu'est-ce qui fera qu'on puisse me croire? Nini tafanya banichike?
Et quand nous sommes en train de reculer ici, na wakati tukunangali apa, ici Dieu est en train de dire, na apa Mungu anasema, je sais que le roi des Égyptiens najua kwamba mfalme wa Misri ne vous laissera pas aller hata miacha muende, si ce n'est que par ma main puissante. Isipokuya kwa mukono yangu ya uwezo. L'église doit se rassurer. Kanisa inapasha kwa nakikisho. Que la main puissante est avec eux. Kwamba mukono ya uwezo ni pamoja nao. Bulosi munashimama sana. La sorcellerie s'est levée tellement. Seigneur, où est ta main? Na Bwana mukono yako ni wapi? Dans ma vie, dans mes affaires. Mumaisha yangu, mubiashara yangu. Où est ta main? Mukono yako ya uwezo ni wapi? Un jeune homme. Moja, sa famille jama yake, reçoit l'argent de la Jekamine de part volontaire. Inapokea ile pesa ya kujekamini ya wale waliweza kutoka mkazi kwa mapenzi. On se dit comme il était intelligent à l'école. Anasema vile alikuwa na akili kushule. Nous allons commencer les affaires avec lui. Tunaweza kuanza biashara kupitia yeye. On prend l'argent, il va en Chine. Banabeba pesa anaenda kule China. Quand il rentre en Chine, wakati anatoka China, il va à Tanzanie pour récupérer le conteneur. Akaenda kule Tanzania njoo kuchukua hata ile conteneri. Quand il va en Tanzanie, wakati anafika Tanzania, il veut s'amuser avec des jeunes filles. Anapenda kufurahiwa hako na wabinti. On l'a drogué, on l'a pillé, on l'a tout dépouillé. Na baka mukwekea hata ile drogue baka beba pesa yote. Dieu a eu pitié de lui, n'est pas mort. Na Mungu akamshikilia huruma lakini asikufariki. Mais la famille a tout perdu. Lakini jamaa ikapoteza yote. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Ma prière cet après-midi. Maombi yangu ijioni. Que nous puissions recevoir la puissance qu'il faut. Na inabidi tupokee uwezo tunayohitaji. Pour que nous puissions ili tupate être de vrais témoignages de Jésus. Kuya maushuda ya kweli ya Yesu. 100 jours. Masiku 100. Me wakia paka tumulofu. Na tu restes toujours chômeur. Après 100 jours. Kisha mashiku 100. Ubakie paka mulofu. Tu restes chômeur. Après 100 jours. Kisha mashiku 100. Ubakie paka mbalaka. Tu restes toujours célibataire. 100 jours. Mashiku 100. Ubakie paka mutasa. Tu restes toujours stérile. 100 jours. Mashiku 100. Ishe biabule. Que ça finisse seulement comme ça. Non. Apa. Je suis venu révolter quelqu'un. Na kwa kutombosha mutu moe. C'est des 100 jours. Imasikumia que la manifestation de la puissance na kionesho ya uwezo dans ma vie. Mumaisho ya. Le diable ne te laissera pas, ma soeur, mon frère. Tabula atakwacha kadada nduku. J'étais en train de dire quelque chose. Nilikuwa nasema kitu fulani. Dans Luc, je crois, chapitre 16, le verset 16. Na Luka 16 mstari wa 16. La Bible dit. Biblia nasema. Depuis le temps des prophètes, de Jonas jusqu'à Jean-Baptiste, la loi jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est annoncé. Il n'y a que les violents qui vont entrer dans les royaumes. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Eti sisi ni pamoja. Fais d'abord comme ça. Na tingiza kwanza mkono yako. Dis avec moi 100 jours. Na sema pamoja nami masiku 100. Dis encore 100 jours. 100 jours. 100 jours. 100 jours. Shita toka mobule. Shita toka mobule. Sema butasa bwa kizazi. Butasa bwa kizazi. Paka uwezo ya Mungu yonekane. Paka uwezo ya Mungu yonekane. Bulofo bwa kizazi. Bulofo bwa kizazi. Paka bwanguke. Paka bwanguke. Hapana kwa nguvu yangu. Hapana kwa nguvu yangu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Dis tous comment imposer. Tu sais comment imposer. Par le monde des ténèbres. Par le monde des ténèbres. Doit lâcher prise. Doit lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Doit lâcher prise. Doit lâcher prise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Doit lâcher prise. Doit lâcher prise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Doit lâcher prise. Doit lâcher prise au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
J'étais en train de parler un dernier exemple parce qu'aujourd'hui j'aimerais que nous sommes en train de faire la pratique. Na nilikuwa naleta mfano moya na leo napenda tuingie katika tendo de la démonstration de la puissance. Ya kionesho ya uwezo. J'ai besoin que quelque chose puisse se passer dans ton corps. Napenda kitu fulani pitikane mu mwili yako. Quelque chose puisse se passer dans ta vie. Na kitu fulani pitikane mu maisha yako. Oui, j'aime tellement les signes, j'aime tellement la puissance, j'aime tellement les miracles. Napenda kama alama na pendaka uwezo na pendaka kabisa miujiza. J'aime, franchement, je vous dis la vérité, moi j'aime les miracles. Hakika namwambia kweli napendaka miujiza. Un jour on a fait une expérience. Na siku moja tunafanya fundi. Une maman. Mama moja. A osé tenter Dieu. Alipima, alipenda kumupima Mungu. Quand je parlais de la puissance. Wakati nilikuwa nasemezea uwezo. Il me dit. Akanyambia. Mon mari, acha utomboka acha kuenda shoko la nekalaka. Ah bwana wangu, il s'est déjà rebellé, je ne sais pas où est-ce qu'il il réside maintenant. Je lui dis, maman, tu as besoin de la puissance. Anasema mama unahitaji uwezo. Il dit, oui, j'ai besoin de la puissance. Anasema ndio unahitaji uwezo. Qu'est-ce que tu veux? Nini unataka? Il dit, j'ai besoin que mon mari rentre. Anasema bwana yangu alurie. Ça fait combien de temps? Kuna kwa wakati ngapi? Il me dit 7 ans. Anasema miaka 7. J'ai dit, quel est son nom? Anasema jina yake ni nani? Il a donné le nom. Analeta jina. C'était un homme friqué. Na alikuwa mtu wa pesa. Un homme qui a beaucoup d'argent. Mtu ana pesa mingi. Mais malheureusement pour cette maman. Na kwa ole tu ya ule mama. Le papa est rentré. Baba kaluria. Il commence à lui faire porter le collant. Anaanza kumwambia anze kuvaa collant. Une grande maman, ils vont dans les bars boire. Mama mkubwa bekonenda mumbari juu ya kunwa. Alors que son mari est rentré par le miracle. Na bwana yake kaluria kwa miujiza. Oui, on a pris la parole de Dieu, on a prié. Na tuka beba tukaomba. On a pris Proverbe 21 le verset 1er. Na tukachukua Mezali 21 mstari wa kwanza. Tu as le cœur du roi entre tes mains. Biblia nasema unakuya na mioyo ya wafalme mikononi mwako. Et tu l'inclines partout où tu veux. Na unainamisha fashi ile wewe unapenda iname. Jeremie, on a commencé à prier. Mapenda tukaanza kulomba. Avec une prière de déclaration. Na maombi ya matangazo. Avec les serviteurs. Na watumishi. On a cité le nom. Tukataja jina. On a dit toi papa X. Na tunasema baba fulani. De partout où tu es. Na mali yote unajikuta. Le Dieu qui incline le cœur des rois. Mungu le anainamishaka mioyo ya wafalme. Il le dirige là où il veut. Na anaipeleka kula napenda. Maintenant même. Na hapa sasa. De partout où tu es. Na fashi yote wiko. Nous inclinons ton cœur. Na tunainamisha roho yako. Et nous le retournons dans cette maison. Na tunailurisha mwi nyumba. Nous prions de Jésus. Tunaomba mchina na Yesu. On a prié le premier jour. Tunaomba siku ya kwanza. On a prié le deuxième jour. Tukaomba siku ya pili. On a prié le troisième jour. Tunaomba siku ya tatu. Et puis on a arrêté la prière. Na tukamsimamisha. Il n'y avait pas de signe. Hakukua alama. Une semaine après. Wiki moja baadaye. Le papa est venu comme un voleur. Na baba akakuwa kama mwizi. Un sambi. Na mposho moya. Avec un peu d'habit. Na mazao na mavazi. Il arrive dans la maison de sa femme. Akafika mnyumba ya mke wake. Il se tient debout. Anasimama wima. Est-ce que vous permettez que je puisse rentrer? Eh, mna Rusi ya kwamba niweza kuluria. Non, on lui dit karibu sois le bienvenu. Ah, sema approche karibu sana. Le papa est rentré, il avait honte, il tremblait. Na baba rinujia na haya alikuwa anatetemeka. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilifanyika? Quand nous sommes en train de prier. Wakati tulikuwa nalomba. Cette femme qu'il avait tourmenté, qu'il avait envoûté. Ule mama aliweza kumvuruka. Elle s'est trompée dans des cérémonies et le papa son esprit s'est ouvert. Aliweza kujidanganya mu maneno ya mu madawa yake na baba akili kafunguka. En flagrant délit et puis il a quitté, il a tout abandonné là-bas. Na akamkuta na bwana mwingine na akatoka akacha vitu vyote kule. Il est rentré dans sa maison. Akaluria mu nyumba yake. Mais maman n'a pas su garder. Na mama ule akawe asikuweza kuchunga. Je vous dis la vérité. Na miambia kweli. Jésus est une réalité. Yesu ni ukweli. Je vous dis c'est une vérité. Ni ukweli Yesu. Il y a des gens dans cette église qui connaissent les témoignages que je vais donner maintenant ici. Na kuku watu mwika kanisa banajua yushuta nitaleta hapa. Je suis entré, j'étais encore trop jeune au début de mon ministère. Niliingia nilikuwa mkichana kabisa mwanzo wa huduma wangu. Je suis entré dans une maison. Nikaingia mchumba fulani. Où il n'y avait pas d'enfants. Amukwe ata watoto. Cette famille a fait 8 ans de mariage, il n'y avait aucun signe. Na ile jamaa ilifanya miaka 8 na kukua ta alama moja. Et par malheur. Na kwa ole. Le diable avait détruit le lit conjugal. Na diabula aliweza kuharibisha kitanda ya ndoa. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilifanyika? Quand papa et maman allaient en chambre. Na wakati baba na mama walikuwa mchumba yao.
Donc il suffisait quelques secondes. Na secondes fulan. Maman avait tellement de douleurs. Mama ilikuwa na hata maumivu. Elle ne pouvait pas tenir sur le lit, il fallait qu'elle dorme par terre dans le pavement. Na akuweza kubakia pa kitanda ni paka anajilaza chini musima. Douleur atroce. Na maumivu ajabu. Dieu m'a montré, j'étais pas habitué à vivre avec cette famille. Na Mungu akanionyesha kwani sikuzoea ile jamaa. Pendant ce temps, le papa était catholique. Na mwile wakati baba alikuwa katolo. Et la maman avait déjà cru au Seigneur. Na mama naye alikuwa mwenye kuamini Yesu. Je suis allé prier avec eux. Nilienda kuomba naye. Le premier jour quand j'arrive prier avec eux. Na siku ya kwanza nafika kuomba nao. Le soir, il y a eu une pluie terrible. Jioni kukakuwa mvula ya ajabu. Une très grande pluie. Na mvula kabambi. Et il n'y avait pas moyen de rentrer. Na kukuwa na muna kurudia. Alors ils m'ont supplié. Wakanisi. Ils m'ont demandé de mettre de télé quelque chose pour moi au salon. Na bakanyambia kama tunaweza kulala mu salon. Que je puisse dormir là-bas. Nibakie pale. Je suis resté. Nikabakia. La nuit on a prié. Na usiku tukaomba. On a prié de 20h jusqu'à 22h35. Tukaomba kwanza 20h paka 22h45. Et puis ils sont allés dans la chambre. Bakaenda mchumba yao. Moi j'étais en train de prier. Mimi nilikuwa naomba. Je parlais en langue. Nilikuwa nasema mulugha. Je priais. Nilikuwa naomba. Après un certain moment, vous savez, c'est le corps. Na wakati fulani mwili mwili. Je me suis fatigué. Nilikachoka. Je voulais m'endormir. Nilipenda kulala. C'était 1h du matin. Ilikuwa 1h ya asubuhi. Le papa est venu me réveiller. Baba kawangu na mushi. Mais frère Oscar. Asema ndugu Oscar. Je m'excuse, viens voir ce qui se passe. Na kuya one ile nafanika. Est-ce que tu peux entrer en chambre? Asi unaweza kuingia mchumba yetu kulala. Je rentre dans la chambre. Naingia mchumba. Je garde encore cette image. Naona ile picha na nilirudia. Je regarde la maman. Na tazama mama. Elle pleurait de douleurs atroces. Alikuwa analia maumivu ajabu. Elle pleurait. Alikuwa analia. Je parlais déjà cet esprit. Nasema kwa ile roho. Je dis toi esprit de serpent quitte ce corps. Nasema wewe pepo ya nyoka toka. Le serpent a commencé à se manifester. Na ule nyoka kaanza kujionyesha. La maman rampait comme un serpent. Na mama alikuwa na tembea kama nyoka. On a commencé à prier. Tukaanza kuomba. On a invoqué le ciel. Tunaita mbingu. On a invoqué la puissance de Dieu. Tunaita uwezo. L'esprit de résister. Na ile roho ilikuwa na déclaré. Natangaza. Que tout mariage dans l'esprit qui tu es. Nasema ndoa yote mkiro. Oui, soit rompu maintenant. Ivunjike sasa. Dans le nom de Jésus. Mujina la Yesu. Quand je dis cela. Wakati nilisema hivi. Elle faisait comme si elle enlevait des trucs à la main. Alikuwa anafanya sasa anatosha vitu kuvitoa. C'était des alliances maléfiques. Ilikuwa ni ile maagano ya kichao. On a prié. Tukaomba. On a prié. Tukaomba. On a prié. Tukaomba. On a prié. Tukaomba. Et puis elle était calme. Et puis elle était calme. Kisha kakuwa mukimya. C'était terminé. Kulimalizika. C'était le jour de la puissance. Ilikuwa ni siku ya uwezo. Et depuis ce jour-là, natangele siku. Le lit conjugal était maintenant convenable. Na hata kitanda ya ndoa ilikuwa mustare. Les couples pouvaient en jouir. Na hata josi iliweza kufurahiwa nayo. Et après les enfants sont venus, il y a eu des enfants, des jumeaux. Na kisha ile kwa watoto wa mpundu, plusieurs jumeaux. Wapundu wengi. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que celui qui régnait, kwani ule alikuwa anatawala, a été maîtrisé. Aluweza kutiishwa. 100 jours. Masiku mia moja. Tu dois chercher la puissance qu'il faut pour mépriser les géants de ta vie. Unapasha kutafuta uwezo inakubidi njuu upate kubeula hata huyu kafiata wa maisha yako. Cheti ya Moïse. Mungu anasema na Musa. Il dit le roi de l'Égypte. Anasema mfalme wa Misri. Ne vous laissera pas partir. Hata miacha mutoke. Mais je manifesterai ma puissance. Lakini taonesha uwezo wangu. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Tu crois que unaamini ya kwamba bulofo bako buku normal. Que ton chômage est normal. C'est tout ça le problème. Jo mambo hii. J'étais en train de parler avec un de mes travailleurs qui travaille à la maison mon jardinier. Na nilikuwa nakuza na mmoja ule anafanyia kazi kunyumba. Je lui pose la question. Na mswali. Il me dit ananiambia. Non, pana, ils sont jumeaux. Tuko wa mpundu. Sa jumelle. Na mpundu yake mwanamke. Elle est de 80. Yeye ni wa 80. Bon, ils sont de 80. Bote ni wa 80. Ça veut dire aujourd'hui 42 ans. Mana yake leo 42 ans. On l'a jamais épousé. Aba muowaka.
Pourquoi? Dieu anime. Et comme elle était une fille, il fallait qu'elle soit épousée avant que son jumeau ne puisse se marier. Il fallait, vous êtes quand il expliquait. Car si c'était, si ce sont des femmes. Il faut deux jours. Il faut que toutes deux aillent dans un même lit deux jours. Et l'autre va se séparer pour qu'elle puisse aussi trouver son mariage. 42 ans. 42 ans. Non, mais parce que tu travailles dans ma maison. Là où est ta jumelle. Maintenant que je parle, je déclare en tant que serviteur, si 2022 terminera, kama 2022 tamalizika, il faudrait qu'avant mars, inabidi kabla tufike mwezi ya tatu, 2023 que tu me dises qu'il a trouvé un mari. 2023 unyambia sema napata ndoa. Alléluia. Amina. Il a rigolé. Comme il vient du village, il ne croit pas tellement. J'ai dit à Dieu, fais-le à cause de moi. Aujourd'hui, j'aimerais que les choses se fassent. Non pas à cause de moi, mais à cause de Papa Élise. Que ce Dieu, son Dieu, puisse se manifester. Que Dieu éclate sa gloire dans cette église. J'ai posé la question, les gens sont venus en retard. Est-ce que vous croyez au miracle? Qui croit au miracle? Tu crois au miracle. Et tu as besoin de voir le miracle. Qui veut voir un miracle? Bon, écoutez. Quelqu'un sera au cimetière là où c'est calme. Anawina. Et il s'enrichit. Mais toi, tu viens ici à l'église, il y a un Dieu vivant. Les gens adorent parler avec Ozima. Que tu es sûr de t'enrichir. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et si dans cette église, il y a des gens vivants, j'aimerais que Dieu communique la vie dans la vie des gens. C'est aujourd'hui ou jamais. Ni leo au kamwe. Quelqu'un dit avec moi aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. Alors j'étais en train de parler quelque chose. J'étais en train de parler de Pierre. Pierre c'était un homme de Dieu. Na Petro ni mtu wa Mungu. Mais on l'arrêta quand même. Bari mufunga. Quand on l'a arrêté. Na wakati bari mufunga. On l'a emprisonné. La Bible dit Hérode. Il faisait ça pour plaire. Parce que quand il a fait pour Jacques, les gens ont acclamé. Na Hérode alikuwa anafanya ile juu ya kufurahisha watu kwani wakati alifanya kwanza juu ya Yakobo watu walipiga mikono. Il a osé aussi toucher Pierre. Alipenda pia kugusa Petro. Écoute, je te dis. Si on avait capturé ton frère ou ton parent. Mais toi aujourd'hui. Ils vont te chercher. On va t'appeler au téléphone pour dire que ces jours-ci tu ne te fais pas entendre. Sache que ce sont eux. Ils vont te chercher. Ils ont arrêté Pierre. Bakafunga Petro. La Bible dit. Bible nasema. On a mis quatre escouades. Asema bakatia maskari ine. Non, quatre escouades c'est comme quatre pelotons. Na bakatia kama vile mapeletoni ine. Des gens qui les gardaient. Ya watu walikuwa na mchunga. Après, on parle de 10 à 15 militaires, donc 15 policiers par escouade. Na banasemezea kikosi moja ilikuwa na mpulushi 15. Ça veut dire à peu près 15, mana, 60 plutôt. Ah, kadiri ya 16. À cause d'une personne qui était inoffensive. Kwa ajili ya mutu tu moya ula kukue na sila. Quand on l'arrête, wakati banamfunga, quand on la ferme en prison, na bamweka mgereza, même pour dormir, hata tu akulala, on met quelqu'un devant, banaweka mutu mbele, quelqu'un derrière, mutu nyuma, et puis on lui donne les chaînes, na banamfunga minyororo. Alléluia. Amina. Mais quand Dieu éclate sa puissance, na wakati Mungu anangusha uwezo yake, c'est que je ne comprends pas, ile chelewe.
quelqu'un qui est condamné, mutu mwenye kukumiwa, quelqu'un qui est recherché, mutu anatafutiwa, il fuit, il se va dans prison. Na anakimbia anatoka mgereza. Mais on ne recherche pas après. Aba mutafute badai. Je déclare Natangaz. Ta délivrance d'aujourd'hui. Ufungulivu yako ya leo. On te recherchera plus. Abata kutafuta tena. Où je dis, l'esprit de contrôle ne viendra plus encore dans ta vie. Nasema ile pepo ya angalisho haitarudia tena maisha yako. Église, écoutez-moi. Kanisa munisikie. Le monde des ténèbres. Ulimwengu ya giza. Ne cessera pas d'agir parce que toi tu viens à l'église. Haitaacha kutenda juu huko na kwa kanisa. Ne cessera pas d'agir parce que toi tu chantes. Haitaacha kutenda juu huko na imba. Parce que toi tu jeûnes, jua unafunga. Parce que toi tu as cru au Seigneur, jua unaamini kwa Bwana. Au contraire, ils vont se déchaîner. Kwa kinyume itakokotana. Dieu prévient Moïse. Mungu anaambia Musa. Il dit, ils ne te laisseront pas partir. Asema batakuacha uende. Mais je vais déployer ma puissance. Lakini tachusha uwezo yangu. À ce moment-là, na ile wakati, vous serez délivrés. Mutafunguliwa. Jésus monte au ciel. Yes, on a pas de mingou. Il dit, vous recevez une puissance. Ana sema mtapokea uwezo. La prière. Malombi. Sans la puissance. Bila uwezo. Ya bia bongo. Elle est une fausse prière. Maombi tu amana puissance. La prière n'a pas de puissance. C'est une fausse prière. Ni malombi ya bongo. Alléluia. Amina. Parce que la prière a des dimensions. Parce que malombi na kwa na matua. Alléluia. Amina. La prière a des dimensions. Malombi kuna matua. La dimension même dans les données. Ata mukutoa. Amen. Amina. Je ne vais pas demander l'argent, sois calme. Na si talomba pesa. Je vois comme si tu bougeais là. Alléluia. Amen. Je ne vais pas demander l'argent. Si talomba pesa. Mais je parlerai quand même de l'argent. Na kini tasemeze ya pesa. Avant que je ne termine. Kabla ni malize. Parce que il y a des hôtels qui descendent la puissance. Kwani kuna kuya ile mazabau inaomba uwezo. Alléluia. Amina. Les Élie sont là. Wa Elia wako pale. Pour descendre la puissance. Njoo akuchusha uwezo. Il faut un hôtel. Inabidi mazabau. Pour que cette femme vive. Njoo huyu mwanamke aishi. Il faut qu'elle puisse offrir quelque chose. Inabidi atoe kitu fulani. Pour la vie. Tout ce qu'elle avait pour manger attend de la mort. Njoo ya uzima yote alikuwa nayo juu akula na kuchunga lufu. Là n'est pas mon problème aujourd'hui. Pala na maneno yangu leo. Mais je parle de la puissance. Quelqu'un lakini nasemezea uwezo. Quelqu'un dit la puissance. La puissance. Quelqu'un dit avec moi la puissance. La puissance. Pierre en prison. Petro mgereza. Quatre squats en train de les garder. Askari wengi wanakuwa na mchunga. Pour connaître la délivrance, Dieu a couru sur son livre. Il faut la puissance. Inhabite ouais. Ton somat ta stérilité. Na ile utasa wako au kukosewa kwa kazi. Tu as besoin de la puissance. Unahitaji ouais. La puissance. Quelqu'un dit la puissance. La puissance. C'est ma puissance qui a bien couru à Jésus Christ. C'est ma puissance qui a Saint Esprit. Puissance qui a été libérée à la croix de Golgotha. C'est ma belle voix, Yesu. A qui ka urikufwa, unafufuka, unaleta uweso yako. Mangaribi ya leo. Mangaribi ya leo. Uniurusu. Unirusu. Puissance ya kumu maisha yangu. Puissance ya kumu maisha yangu. Oh, kwetu mekala ki akiri. Akiri. Oh, chez nous, on n'est pas intelligent. L'intelligence. Unaomba Mungu wa montagne du Carmel, batoto kwa shukua akiri. Et tu pries le Dieu de la montagne du Carmel, tes enfants sont toujours moins, sans intelligence. 100 jours. Masiku mia moja. Non. Paka akiri rudia mwakisha batoto ya. L'intelligence doit rentrer, revenir dans la vie de tes enfants. Paka akiri irudia. L'intelligence doit être restaurée. Et certainement l'intelligence sera restaurée. Motoka yako ndipaka mapane kesho. Tes véhicules sont des pannes du jour au lendemain. Kesho pan. Après demain pan. Kama ni abantu. Si c'est pour les hommes. Leo njo mwisho. Aujourd'hui c'est la fin. Sema mangaribi ya leo. Kyote nipangia kikiri jina la Yesu.
apana nchuyango chuya uwezo. Tema Bwana Yesu, unasema tutapokea uwezo chuya kusudia bukubwa bwako. Puissance yako iko wapi munyumba yangu? Sa puissance yako iko wapi mundoa yangu? Bengala kunyanganya bibi Bwana para kunyanganya bibi wa Mukristo. On t'arrache le mari, la femme, toi chrétien. C'est mandoa ya kukabula nekatala. C'est mandoa ya kukabula nakatala yangu ndoa nakatala nayo. Ule kuna cheza mundoa yangu. Anguke. Ule kuna cheza mufinansi yangu. Anguke. Nakatala na finansi yangu. Nakatala na finansi yangu. Nakatala na batoto yangu. Nakatala na sante yangu. Onode. Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la résistance, l'église doit avoir l'audace. Moïse est en train de dire, ils ne m'écouteront pas. Ils ne vont pas me croire. Jésus dit, la Bible dit, est-ce que tu entres tes mains? Aujourd'hui nous n'avons pas la Vierge, mais nous avons le Saint-Esprit. Oui, tu n'as pas la Vierge, mais tu as le Saint-Esprit. Qui croit qu'il a le Saint, il a le Saint-Esprit? Oui, je te dis, si tu as le Saint-Esprit, c'est ça l'arme que tu vas opposer ce soir au monde des ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur, même si tu as un problème de position au travail, vous êtes en train de vous disputer un poste, aujourd'hui Léo, tu vas étendre le Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, je ne suis pas orphelin, je ne suis pas seul. Léo, aujourd'hui j'aimerais savoir si j'étais reçu réellement. J'aimerais savoir si tu es au-dedans de moi. Cette maladie qui ne se termine jamais dans la famille, elle doit cesser aujourd'hui. Vous savez, j'étais en train de prier pour une femme. Sa soeur est morte de sida. D'abord, son père était décédé du sida. Baba yake kwanza alikufa na la maladie ya sida. Sa mère du sida. Mama yake pia. Une de ses soeurs le sida. Na ndada yake moya vile vile. Et puis une autre le sida. Na mwingine tena paka sida. Barua mazuri. Elle était belle. Pepo mwana zo bavurusa tu. Un esprit commence à les troubler. Anangukia ba muteko pufa na bat. Et elle tombe là-bas et elle est saisie. Na yana pata sida. Elle aussi elle était saisie. Elle a cru. Elle venait pour comprendre pour elle. Elle dit, je refuse moi de mourir à cause du sida. Alléluia. Amen. Nous avons commencé à prier pour elle. On priait pour elle. Sida inasem. Le sida a parlé. Sida inasem. Le sida a parlé. Et moi je suis venu dans l'œuvre pour les exterminer. Parce que leur grand frère aussi était mort. Il fallait que toute la famille meure de sida. C'est l'esprit sida. Tu n'as focusé le peuple au sida. Il est allé se faire tester. Négatif. Et personne n'est plus décédé du sida dans la famille. Magonjwa, toute maladie n'est pas maladie. Même la pauvreté ici. Toute pauvreté n'est pas nécessairement pauvreté. Amen. Amen. Et quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, mais il est là comme s'il n'avait rien. Nakatala biavile. Mangaribi ya leo. Uwezo ya Roho Mtakatifu. Yulu yangu. Yulu yangu. Ndani ya maisha yangu.
inifungule. Inifungule. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Akika ulituma. Akika ulituma. Roho yako. Roho yako. Kutembea na mie. Kutembea na mie. Unifunguleko. Unifunguleko. Muiki kifungo. Muiki kifungo. 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 Kiabulofwa. Kiabulofwa. Kiabumashikini. Kiabumashikini. Kiabutasa. Kiabutasa. Kiabulevi. Kiabulevi. Est-ce qu'on a kunyaka paka? Tuna lewaka. Est-ce pas tu t'enivres? Kiabusharati. Kiabusharati. Unifungule. Unifungule. Mangaribi ya leo. Ce soir. Sema Bwana Yesu. Peke yangu sitawezi. Uwezo yako. Ionekane ndani ya maisha yangu. Waanze kunifungula. J'aimerais que tu commences à prier. Prie au nom de Jésus. Oui, demande la puissance de Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Selon que tu as écouté le message. Dis Seigneur. Je suis en train de prier. Je suis en train de te prier. Ce soir. Ce soir. Libère-moi. Libère-moi. De cet esprit de stérilité. Dans le nom de Jésus. 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 C'est ma soyako. Inuke dans ma isoyam. Tu pries au nom de Jésus. Oh ma mutina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est ma mangaribi aller. Mangaribi aller. Baboni fungule. Baboni fungule. Baboni fungule. Baboni fungule. Baboni wesesh. Baboni wesesh. Dans le nom de Jésus. 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 Maman ici. Ici devant ici. Maman kumbele. Ici ici ici. Est-ce que tu peux lever la main? Apana shikia mkwe mama. Apana mama protocol. Mama pale. Elef te deux mains. Yanyua mikono yako mbili. Nikuno na mabifo ya biyana kufwa. Je va la mort des jeunes. Na buloji bantu kutayana mabuloji mkizazi yako. Et les gens se doitent de sorcellerie dans votre famille. Seba Bwana Yesu. Benyachirie. Kuliste ba kufwa. Mie na ba nefe yangu ba naume be kukulwezi. Benyachirie. Tu as le neveu à Colosie? On a le neveu à Colosie. Élève tes mains. Encore plus fort. Plus haut encore. Est-ce que tu as la foi? Seigneur, est-ce que tu peux la libérer maintenant? On a ici, on a osé en fond la sa vie. Maintenant, maintenant. Ça. Ferme les yeux. Funga macho. Qu'on libère sa vie. Na atili ya maisha. Na bile biyana bena fia kuwa. Na mle jeune conscience tué. Biyana biakiri. Les jeunes intelligents. Banapenda kuarabisha maisha yao. Mshasha détruire leur vie. Mungu bafungule. Et Dieu délivre. Mufungule. Délivre là. A passas. Maintenant. Je compte jusqu'à 3. Ah, sabia paka patatu. 1. Moja. 2. Bili. 3. Tatu. Allez toi en mbio.
non pas à cause de moi, mais au nom de Jésus. Je dis elle et tous ceux qui sont à Colosie. Libère. Commence à libérer sa vie. Lâchez prise. Commence à libérer sa vie. Commence à libérer sa vie. Je dis, elle ne mourra pas. Même ces deux jeunes hommes ne mourront pas. Je ne connais pas de qui il s'agit. Mais qu'il soit libéré de la liste des gens qui vont mourir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vois une personne. Mwanamke kufwa. Une femme mourir Mukizazi. Dans la famille. Elle a la sorcellerie. Dieu va la tuer. Par le sommeil. Elle fait souffrir beaucoup de gens dans la famille. Dieu va la terrasser. Amen. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Benyache. Benyache. Est-ce que, d'abord, tu peux fermer d'abord les yeux ici au milieu. Non, on a fait un match à papa Kachikachi. Juste ici. Moui rangé. Élevons-nous nos deux mains. Tu n'as pas de nous aider. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Non pas à cause de moi, mais à cause de ton nom. Qu'on libère ma vie maintenant. C'est partout au mal lié. Que je sois délié. Maintenant, au nom de Jésus. Garde silence maintenant. Quelqu'un soit tout près de la maman en rouge qui a un bébé là-bas. Bache maisha yake. Il libère sa vie. Bache maisha yake. Tu libères sa vie. Bache maisha yake. Tu libères sa vie. Mwache maisha yake. Libère sa vie. Mwache maisha yake. Libère sa vie. Mwebote mushimamia. Tous qui se sont levés contre elle. Elle te tuende mbio. Quitte vite. Minasema tuende. Je dis quitte. Tuende. Quitte. Lâche sa vie. Mwache maisha yake. Mwache maisha yake. Libère sa vie. Libérez sa vie. Mwache maisha yake. Au nom de Jésus. Jesus. Libérez. Mwache. Libérez. Chilia. Libérez. Chilia. Libérez. Chilia. Maman n'est pas peur. Maman usiogope. N'est pas peur. Usiogope. Alors qu'on libère ta vie maintenant. Na wakati unaacha maisha yako. Qu'on libère ta vie. Mwache maisha yako. Qu'on libère ta vie. Mwache maisha yako. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Libérez sa vie. Mwache ni maisha. Libérez sa vie. Mwache ni maisha. Seigneur arrive là où elle est. Bwana fika pale. Que ton esprit arrive là où elle est. Roho yako ifike pale. On commence à libérer sa vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libérez sa vie. 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 Je dis, sois tourmenté par les feux. Sois tourmenté par les feux. Sois tourmenté par les feux. Angaïka. Sois tourmenté. Twende. Kita. Twende mbio. Kita vita. Acha maisha. Libera sa vie. Twende. Kita. Twende. Kita. Twende. Kita. Acha maisha. Libera sa vie. Libera sa vie. Acha maisha. 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 Agite-le maintenant. Attends. Twende mbio. Vite. Twende. Twende. Agite-le. Vas-y vite. Agite-le. Tingize. J'ai dit tout esprit qui tourmente les gens dans ces rangées. Prends le kwenda katika jina la Yesu. Commence à quitter au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là derrière, je suis en train de voir comme quelqu'un entrer dans le mariage. Les derniers rangés là-bas. Mais c'était très combattu. Dieu était en train de libérer ça. C'est ma bonne Yesu. C'est ma bonne Yesu. Mangaribi ya leo. Sipo kwa uwezo yangu. Kwa jina yako. Na Roho Mtakatifu. Uwezo yote ilitawala maisha yangu, ilitawala biashara yangu, ilitawala nyumba yangu, itoke
Itoke. Sema toka. 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 Orode. Nous acclamons le Seigneur. Tout la Seigneur est à moi. Jésus. Bon appétit.